Je vous invite à prendre le livre d'Ésaïe, au chapitre 14. Livre d'Ésaïe, chapitre 14, et nous lirons du verset 9 jusqu'au verset 23. 9 à 23. Prendre deux versets chacun de ma gauche, de ma droite. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée et réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ils prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le sang de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard, ils t'examinent avec attention. Est-ce bien cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui rendait le monde pareil en désert, qui dévastait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Tous les rois des nations, lui tous, reposent dans la gloire, chacun chez lui. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel, des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Je ferai d'elle le domaine du hérisson et un marécage, et je la balayerai à l'aide du balai de la destruction, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Merci. On a déjà vu auparavant, eh bien, le cas de Babylone. Babylone qui a une prophétie, un oracle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un avertissement. C'est quelque chose qui est un devoir d'annoncer à Babylone la suite qui va lui arriver. Et la parole est remplie de ce qu'on appelle des oracles. C'est Dieu qui annonce clairement les événements qui vont venir. Et il annonce aux personnes afin qu'ils reconnaissent de qui il s'agit. Parce que Babylone, oui, c'est une ville, déjà, on le sait, puissante, une magnificence pour les hommes. Hein, on parle de l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens. C'est quelque chose où on se dit, c'est beau là-bas, il y a une des sept merveilles du monde aujourd'hui. C'est ce que dont on se souvient. C'est un peuple avec eh bien beaucoup d'intelligence, de savoir. C'est là où eh bien ils avaient construit aussi cette tour dès le départ de Babel où ils voulaient atteindre Dieu. Et c'est une pensée qu'a Babylone et sur laquelle Dieu va déjà juger. Lorsque le jour de l'Éternel va arriver, il ne restera à Babylone qu'une chose, gémissez. Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Et c'est là d'abord ce qu'il a voulu rappeler à Babylone. Et au milieu de Babylone, il y aura un reste. Il y aura un peuple que l'Éternel va sortir de Babylone, va restaurer, rétablir dans son pays, car Babylone n'est pas le pays d'Israël. C'est Israël qui va eh bien, être restauré et d'autres vont se joindre à Israël, des étrangers. Donc il y a une espèce de comparaison entre la grande Babylone magnifique et Israël qui va être esclave et Babylone qui est en train d'être élevé puissant en ce moment et Israël qui se met à l'abri dedans en se disant avec les Assyriens que c'est ça qui va sauver leur vie. Mais il viendra un temps où il y en a qui sortiront
qui vont être rétablis. Fini de vous appuyer sur Babylone. Elle a une façon de penser et elle va vivre sa façon de penser. Elle sera comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Mais il le rappelle à Babylone tout en ayant d'abord donné l'avertissement à Israël au début. Israël aussi, vous vous ressemblez à Sodome en ce moment et Gomorre. Vous êtes exactement comme Babylone. Parce que parfois on se dit c'est le nom qui fait la différence. Comme je suis eh bien Israël, je ne suis pas Babylone. Mais si vous faites la même chose, au final vous êtes l'un comme l'autre dans une même situation comme Sodome et Gomorre. Vous allez tous finir quoi? Détruits. C'est pour ça que ça n'a jamais été de porter un nom qui nous sauve, ni une fonction. Israël a une fonction, celle d'être la lumière des nations, celle d'avoir le nom de Dieu en disant quoi? Qu'ils combattent avec Dieu, contrairement au peuple qui combattent de leur force. Ils en avaient le nom, mais dans la vie, ce n'est pas du tout ce qu'ils faisaient. Et c'est important parce que jusqu'à nous, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle chrétien qu'on se dit, mais c'est bon pour nous, c'est différent des autres. On est chrétien parce qu'on est en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes chrétien. Parce que votre vie, elle dépend de Christ, elle obéit à Christ, elle suit Christ, elle laisse Christ modeler toutes choses, même si les autres font de manière différente. C'est pour ça que parfois, on entend les chrétiens, mais ils ont la même logique que dans le monde. C'est-à-dire que pour avancer, pas la peine de compter sur Dieu. Ce n'est pas une priorité, les choses de Dieu, et on va faire comme tout le monde. On a les mêmes besoins que les autres. Les mêmes besoins de regarder, faire attention d'abord à quoi? Eh bien, à notre santé à nous, en disant quoi? Je vais essayer de me sortir de ma situation d'abord. Après, on verra avec l'Éternel. C'est le cas d'Akaz. J'ai pas envie de déranger l'Éternel. Pas besoin de lui donner un signe. C'est lui qui t'a dit, fais appel à lui. Et c'est ça, souvent, nous faisons des choix dans la vie, où en disant, bon, pour les petites choses, je vais faire moi-même. Quand j'aurai des problèmes, c'est là que je ferai appel à Dieu. Le problème, c'est que le problème final ici, c'est qu'ils seront détruits. La destruction, c'est pas ce que Dieu veut dans notre vie, et la destruction, tu vas souffrir de cela déjà. Et puis, il y a une destruction dont on ne revient pas. Mais le reste, celui qui est rétabli, c'est celui qui possède eh bien, une vie dans le pays de l'Éternel, ceux qui sont des servants et des servantes. Ce sont ceux qui, oui, vivront eh bien, des fatigues, qui vivront des agitations eh bien, au milieu de Babylone, mais ils auront un chant après pour le roi de Babylone. Un chant où il dit que le tyran n'est plus, c'est fini. Alors qu'à un moment donné, il y en a qui vont descendre avec Babylone. Mais dans la vie chrétienne, c'est pareil. Parfois, nous donnons des conseils, nous donnons des conseils très, très Babylone, très humains. Brille d'abord toi-même. Fais ce qui te plaît. Essaye d'aller selon toi, à ta façon, à ta manière de penser. Ne choisis pas ce que Dieu te dit. Et c'est une pensée qui existe depuis avant l'homme. Et il y a déjà un qui pensait cela parce qu'il pensait être tellement magnifique qu'il n'avait pas besoin de Dieu. Mais dans ce qu'on a lu, celui qui est tant magnifique, là c'est personnalisé par Babylone, ben il finit comme tout le monde. Au verset 9, il arrive où? C'est le jour des morts. Au final, sa magnificence l'a replacé au même endroit que tout le monde, où tout le monde finit. C'est jour des morts. Mais quand il arrive, tout le séjour de mort est comment? Vous avez s'agité en Gessim. Quand il arrive, il l'accueille tous. Il se réveille et il y a tous les grands de la terre, il y a tous les trônes des rois des nations. Tous là, il parle. Il y a un sujet de comment. Mais attends, c'est pas celui qui pensait être au-dessus de tous. C'est pas celui qui pensait être meilleur que tous. C'est pas celui qui se disait fort. C'est pas celui. Et un jour, ça va être ça. Parfois, dans notre langage, nous pensons être forts, mais à un moment donné, les gens vont constater, c'est pas toi qui avais dit que tu tomberais jamais. C'est pas toi qui avais dit qu'à un moment donné, tu étais meilleur au-dessus des autres et que les autres étaient moindres et les autres avaient besoin de toi. Mais j'ai dit, tous prennent la parole. Toi aussi, maintenant, tu es comment? Et comme nous. Et comme nous, c'est quoi? Sans force. Et ça, c'est le problème que nous avons dans notre vie.
Nous essayons de faire les choses parce que nous ne sommes pas persuadés d'une réalité. Nous sommes tous pareils. C'est une force. Parfois, nous croyons que certains d'entre nous, nous sommes plus forts que les autres. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de faire comme Dieu demande en nous disant « Mais attends, pourquoi j'aurais besoin de ça ? Moi, je ne suis pas comme ces gens-là. » Lui, ok, c'est différent. Lui, il n'arrivait pas à faire sans Dieu. Lui, il avait besoin de ceci. Lui, il avait besoin. Voilà, c'est ça. Je comprends. C'est parfois, on est comme ça. Oh, les jeunes chrétiens, oui, c'est normal qu'ils ont besoin de venir à l'écoute de la parole, etc. Mais moi, c'est bon, je suis déjà comment ? Déjà fort. Moi, je suis déjà quelqu'un qui a un niveau excellent. Et c'est cette excellence-là, lorsqu'on va tomber, les gens vont dire, ah, c'est ça ton excellence. Mais on ne se voit jamais tomber. Hein. On se voit comment? Il se voit comment, lui? Verset 11. Ta majesté, tu as magnificence. Et quand on se croit magnifique, c'est qu'à un moment donné, on pense que tout ce qu'on est, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est super, hein, on est génial. Mais il dit, avant d'être ta magnificence, tu es juste redevenu normal, sans force et semblable à Allez. Ta magnificence, ce n'était juste que de quoi? C'était juste un apparat. Ça ne t'a pas empêché de finir où? À la mort. Et parfois, c'est ça. Nous faisons des choix, des décisions, nous pensons être meilleurs que les autres. Au final, on finit dans la même situation. On finit en bas. On finit écroulé. On finit en chutant. Et parfois, on est là en train de dire, oui, mais ça, c'est Babylone. Mais là, ça s'adresse à Israël. Israël, Babylone, vous êtes pareil, hein. Sodome et Gomorre. Et pareil, c'est parfois, nous disons, ah, le monde, ah, c'est difficile, le monde. Le monde et les guerres. Ah, le monde, comment est-ce qu'ils se croient? Ils n'ont pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que le monde? Mais on fait pareil, une fois. On aime bien dire que c'est les autres, mais ceux qui pensent être magnifiques, c'est nous. Mais le monde, on connaît sa fin, nous, c'est vrai. Mais c'est l'absurdité, c'est de le suivre. C'est pour ça qu'à un moment donné, oui, tu vas descendre dans ces jours de mort, ta magnificence va descendre avec toi, avec le son de tes luttes, et tu seras comme tout le monde. C'est-à-dire quoi? Sous toi, une couche de verre, et les verres sont la couverture. C'est la fin de quelqu'un qui périt, qui pourrit. Et c'est juste ce qui va t'arriver. Et c'est un avertissement toujours pour toute personne qui présuppose toujours qu'il peut faire quelque chose sans Dieu. La moindre chose est quelque chose que l'on doit remettre à Dieu. Et c'est la différence avec les rachetés. Les rachetés, ils ont appris une chose. Sans Dieu, quoi? Il n'y a pas de délivrance. Il faut avoir une pleine confiance. Il faut puiser à son eau, aux sources du salut, il faut louer, invoquer son nom, c'est ses œuvres que l'on publie, jamais il n'y a un bout où nous parlons de nos œuvres à nous. Jamais au ciel, on va arriver en disant, voilà Seigneur ce que j'ai fait. Quand vous allez louer le Seigneur, vous n'allez pas louer ce que vous faites. Vous allez louer quoi? L'œuvre de Dieu. C'est l'agneau immolé. C'est Christ qui est mort pour nous. C'est lui qui nous dirige, c'est sa parole. À aucun instant, ce sera nous qui serons les personnes magnifiques. La magnificence sera toujours donnée à qui? À Dieu. Et c'est ça souvent que nous ne comprenons pas. Nous essayons d'être magnifiques. Nous essayons d'être meilleurs que les autres. Nous essayons d'être au-dessus. Mais cette manière de faire, dès maintenant, Dieu nous dit, mais ce n'est pas la manière de penser qu'il est demandé pour nous. Parce qu'à un moment donné, quand on monte, il y a toujours un moment donné, on finit par quoi? Et plus on monte, plus dur sera la chute, on dit. Hein. Tomber de 1 mètre et tomber de 100 mètres, il y a une différence. Hein. Vous tombez d'un mètre, vous faites mal. Mais vous vous relevez. Et si vous persistez à vous élever encore plus, quand vous tombez de 100 mètres, il y a le temps de la chute, de s'effrayer, mais en plus, arriver en bas, c'est pour ça que Dieu il nous reprend rapidement. Dès que quelque chose ne va pas, parfois on dit, mais c'est un détail, mon Dieu, ça va, je peux quand même un petit peu rester avec cette animosité, cette colère, je ne suis pas obligé de pardonner, après tout, moi j'ai rien fait, c'est les autres, et c'est toujours ça, c'est moi, je suis plus que les autres, donc j'ai le droit de ne pas faire.
ce que Dieu dit. Il dit à un moment donné, toi qui te pensais brillant, te voilà tombé du ciel. Là, il fait référence à quelqu'un qui était vraiment dans le ciel. Donc, il compare ici, eh bien, ce temps de Babylone à la même pensée que quelqu'un qui était où? Dans le ciel et qui est? Mais celui-là, il était un astre brillant, un fils de l'aurore. Un astre brillant. Vous savez, ça a donné un mot hein, qui est donné en latin. Ce qui est brillant, c'est Lucifer. Hein. C'est le terme. C'est qu'à un moment donné, c'était un ange comment? C'était brillant. La Bible le décrit comme étant beau, intelligent. C'est sa beauté qu'il a quoi? Il a perdu, il s'est élevé. Au ciel, il est passé du ciel à quoi? D'abord à la terre. D'abord du ciel à la terre. Déjà, il s'est fait déloger de la place qui était au-dessus. Et quand il est descendu, il était sûr qu'il paraissait plus grand que tout le monde. Comme il paraît plus grand que tout le monde, eh bien, comme il est dit, il a été le vainqueur des nations. Par rapport à la terre, c'est vrai qu'il est puissant quand même. On ne peut pas jouer avec lui. Hein. On ne fait pas le poids contre lui. Hein. Il n'y a rien à dire. Mais par rapport au ciel, il ne faisait pas le poids par rapport à ce qui était là-bas. Et c'est ça, souvent, ce qu'on est. Nous, on veut briller là, mais à un moment donné, il y a toujours plus que nous. Mais là où on est, on veut briller. C'est pour ça que ne vous inquiétez pas, que ce soit dans un pays pauvre, un pays riche, vous avez toujours des gens qui vont vouloir quoi? Mais il y aura toujours d'autres qui brilleront plus qu'eux. Et même dans les pauvres de chez les pauvres, il y en a toujours qui veulent briller toujours plus qu'eux. Il suffit juste d'avoir quelque chose de plus que l'autre et vous pensez déjà être meilleur que l'autre. Hein. Il suffit d'avoir une virgule au lieu d'avoir une barre qui ne veut rien dire et vous pensez déjà sur vos chaussures que vous pensez déjà être au-dessus des autres. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. C'est ça la magnificence. La magnificence, c'est en croire que ce que l'on a, en ce moment, ce que possède, ce que Dieu nous donne, c'est ça qui fait que nous sommes au-dessus des. Mais dans la réalité, c'est la fin. La fin, lorsque on se retrouve au séjour des morts, tout le monde est à égalité. Qu'est-ce qui reste? Quand on se retrouve devant le jugement de Dieu, tout le monde est en égalité. Quand on se retrouve dans la chute, dans le malheur, tout le monde est à égalité. C'est un homme riche ou un homme pauvre, quand ils sont dans le malheur, ils sont dans le même état. Pourtant, pour deux raisons différentes. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, mais il est semblable à nous. Au final, quand tu tombes, tout le monde est identique. Mais ça veut dire que normalement, il aurait fallu être avec une solution qui est identique aussi, pour ne pas finir au même endroit. Mais déjà, on voit la condamnation. Qu'est-ce qui fait? Eh bien, que cet homme ait perdu ce qu'il avait. Qu'est-ce qui fait qu'il soit abattu à terre? Qu'est-ce qui fait, lui qui est le vainqueur des nations, que les gens pensaient être plus forts parmi les nations, qu'est-ce qui en fait qu'il en est là? Tu disais. Ça commence par là. Il disait où? Dans son cœur. Donc il est en train de se parler à lui-même. Il réfléchit, il considère et il conseille son propre cœur. Et notre cœur, s'il a besoin d'être conseillé par Dieu. C'est Dieu qui sait ce que notre cœur a besoin. Notre cœur, il est tortueux. Quand il se donne des conseils, ben, il ne va pas donner des conseils contre lesquels il est contraint. Il va donner des conseils qui, pour lui, sont satisfaisants, mais comme il est dans les ténèbres, il va conduire encore plus loin dans les ténèbres. C'est pour ça que quand on abandonne Dieu, on abandonne le conseil de Dieu. Et quand on abandonne le conseil de Dieu, on prend la même direction que de tous ceux qui vivent sans Dieu. Que vous ayez le nom ou pas le nom de chrétien, que vous ayez le nom ou pas le nom d'Israël, Israël va devenir comme Sodome et Gomorre parce qu'ils ont été rebelles contre Dieu, des enfants rebelles, des enfants que Dieu a nourris et qui ont abandonné l'Éternel. Mais chez les chrétiens, c'est pareil. On abandonne les voies de Dieu et on commence à rentrer dans nos propres voies. Et on parle dans son cœur et on parle en disant « je ». Je vais faire. Je vais décider de ce que je vais faire. Et la bonne idée pour moi, ce qui est bon pour moi, ce qui va m'apporter quelque chose, eh bien, sur lequel je vais être satisfait, c'est parce que je vais monter où? Au ciel. Quand je serai au ciel, je serai
je vais me faire une place. Et c'est ça, hein. Quand nous réfléchissons pour nous, nous avons un beau programme, qui est le programme de se faire du bien, en disant, voilà le meilleur endroit où je dois être. Je vais monter au ciel. Et ce ciel-là, je vais y aller, pourquoi? Ben, je vais y mettre mon trône. Si j'y mets mon trône, ça veut dire que dans le ciel, qu'est-ce que les autres vont faire? En dessous. Ils vont? Ils vont être en dessous de... Et pourquoi faire? Quand vous avez quelqu'un sur un trône, qu'est-ce qu'on fait tous, nous, à côté? Adorer. On l'adore, on prostère. Mmh. C'est tous la même chose. Hein. On le sert. Hein. On t'y donne un ordre. Il faut tout ce qu'il demande. Mmh. Vous savez, on est tous un peu comme ça. Hein. Quand vous demandez aux gens ce qu'ils imaginent dans le ciel, quand ils ne connaissent pas le Seigneur, la seule chose qu'ils imaginent, c'est quoi? Quand je serai là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Le paradis, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens pensent au paradis? Quand je serai au paradis, là, je serai tranquille. Là, j'aurai tout ce que je veux. J'aurai mon petit transat, je resservirai, les gens seront gentils avec moi. Tout tourne autour de qui? Autour de moi. Le paradis des gens, c'est tout tourne autour de moi. C'est la manière de penser. C'est-à-dire que c'est par moi que les choses vont bien se faire. Tout va tourner autour de moi. Je monterai, je tablirai mon trône et je serai au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de Dieu. Hein. D'abord, il a dit les étoiles de Dieu. C'est-à-dire que je serai le plus brillant. Je serai celui qui sera le centre de toute chose. Hein. Vous savez ce que c'est que des étoiles à la base. Hein. Les étoiles, quand ils les utilisaient, quand ils les voyaient, c'était pour se repérer, pour se diriger. Et plus l'étoile, elle brillait, plus c'était un bon repère. Et là, il dit, mais je serai au-dessus de ces toutes étoiles. C'est-à-dire que je serai mieux. Je serai à l'extrémité du septentrion. On verra ce chemin-là. Je monterai sur le sommet des nues. Et c'est là que ça conclut, je serai semblable au très. C'est un gros programme qui, au départ, quand on regarde, c'est un programme qui est vendant, qui est alléchant. Vous serez Dieu. C'est le programme que Satan s'est fait pour lui. Et c'est le programme qu'il a donné aux hommes le premier. Et lui, il a dit à un moment donné, oui, je serai semblable au Très-Haut. Je veux être au-dessus du Très-Haut. Au-dessus du Très-Haut, c'est moi qui prendrai les meilleures décisions. Pourquoi on veut s'élever au-dessus du Très-Haut? Parce qu'on pense que le Très-Haut fait des mauvais choix. Alors, nous sommes comme ça. Nous nous plaçons nous-mêmes au-dessus de ce que Dieu dit. Dieu a dit quelque chose, et puis souvent, on est là à dire, oui, mais bon, bon, ça, on ne peut pas dire ça comme ça, quand même. Oui, mais, oui, il y a toujours un mais. On a toujours une bonne raison. On a toujours quelque chose qui fait que la parole de Dieu, eh bien, elle doit passer après notre propre façon de penser. Grosso modo, Dieu, tu es là pour m'aider, mais celui qui règne sur le trône, c'est moi. C'est ça, quand vous savez, quand Dieu dit approchez-vous, il dit oui, ok, mais tu attends, j'ai pas le temps là. Suis-moi, oui, d'accord, mais attends, quand j'aurai besoin de toi. Et puis on est là, soumettez-vous, obéissez, tout ce qu'il demande, ce qui est de nous faire, là on n'est pas d'accord. Non, quand même, moi j'ai mes propres désirs, j'ai mes propres passions, j'ai mes propres... Et c'est pour ça que la colère de Dieu a dit ça, ok, tu veux vivre tes désirs, tes passions, tu veux vivre selon ton intelligence déréglée, tu obtiendras le résultat qui est là. Tu vas aller dans le séjour des morts comme... Et vous savez, c'est pour ça que quand on lit la Bible, il ne nous demande pas les choses qui nous sont agréables, il nous demande le service que Dieu estime bon, pour que nous puissions quoi? Eh bien, être élevés par lui. Et nous avons toujours cette tendance, eh bien, à suivre la pensée qui est la pensée, eh bien, de Satan. La pensée de l'adversaire. La pensée de l'adversaire, c'est qu'il pense que Dieu est son ennemi. Dieu n'est pas l'adversaire de quelqu'un. C'est Satan qui est l'adversaire. Donc, il prend toujours Dieu comme ennemi. Moi, je suis étonné que même les athées, dès que vous leur parlez de Dieu, on a l'impression qu'ils parlent à un ennemi.
Et là, ils disent, oui, mais si Dieu n'a pas papa. Ils n'y croient pas, mais quand tu parles d'eux, papa, ils ont tout à dire de mauvais, de méchant, à critiquer, à pas être d'accord. C'est exister, mais si quelqu'un, tu ne crois pas qu'il existe, on ne parle même pas, en fait. C'est même pas un sujet de conversation. Tu n'as même pas à être fâché, tu n'as même pas à t'embêter. Comme si tu me parlais d'un schtroumpf, je ne vais pas me fâcher parce que tu me parles d'un schtroumpf. Je sais que ça n'existe pas. Mais comme on est ennemis, et ça se sent, hein, dès que vous mettez le mot, le nom de la personne devant. Vous savez, c'est comme les gens qui disent, non mais lui, non, t'inquiète, moi, je fais ce qu'il veut, ça ne me dérange pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis indifférent, j'ai rien contre lui, mais je suis indifférent. Et puis, dès que vous prononcez son nom, je crois que tu étais indifférent. Non, non, mais là, il va venir, en fait. Mais pourquoi il vient ici? Non, là, dès que c'est... Mais c'est un monstre, tu n'es pas indifférent. Il y a quelque chose qui est là, c'est juste que tu fais semblant de ne pas te rendre compte que dans ta vie, cette personne-là, elle te dérange, mais tu es un adversaire, en fait. C'est pour ça qu'il y a un moment donné, il veut être semblable au Très-Haut, mais en réalité, il est un adversaire du Très-Haut. Parce que nous sommes destinés à être à l'image de Christ, mais nous ne sommes pas son adversaire. Nous sommes faits pour vivre avec lui. Nous serons semblables, eh bien, en Christ, en ce que ce soit lui qui va nous diriger, en ce que c'est lui qui prend soin de nous, en ce que c'est lui qui nous modèle, et c'est ça la réalité. Mais on voit bien quelqu'un qui, lorsqu'il est adversaire, dès que Dieu parle, ah non, je ne veux pas le faire. Un peu comme Akaz. Oui, je crois en Dieu. Oui, les gens vont dire cela, mais dès que Dieu parle, non, je vais faire à ma façon. Et lui, qui est monté, ou qui voulait monter, je monterai, je serai semblable. Donc, il sert pour lui. C'est le je qui est avant tout. Mais sa vie, eh bien, il a dit, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Tu t'es élevé. C'est très simple. C'est une loi de Dieu. Si tu te lèves, tu seras abaissé. C'est une loi. C'est aussi vrai que la loi de la gravité. Tu peux pas aller à l'envers. La manière de faire de Dieu, c'est quoi? Abaisse-toi. Et s'abaisser, c'est quoi? Déjà accepter la réalité, tu es sans force. Quand tu acceptes que tu es sans force, à partir de ce moment-là, eh bien, tu demanderas le secours de celui qui a la force. Et tu le laisseras faire. Et c'est pour ça que lorsqu'on a cru à l'œuvre de Christ, à la croix, personne ne vient avec la force. Tout le monde vient en disant, je ne suis incapable. Et c'est toi qui as eu la capacité de quoi? De payer pour mes péchés. Et de vivre, j'en suis incapable. C'est toi qui as ressuscité. Et moi, je veux vivre cette résurrection. Je veux marcher dans une nouveauté de vie. Et rends-moi capable. Comment? Eh bien, il nous parle. Il nous dit d'avancer. Tout comme quand il a délivré, eh bien, Israël d'Égypte. Israël était incapable de combattre, eh bien, Pharaon et son peuple et ses armées. Mais Dieu était capable de les faire sortir. De la même manière, quelqu'un comme David n'aurait jamais pu battre quelqu'un comme Goliath. On en rit, eh bien, lorsqu'on regarde cela, un petit bonhomme contre un géant que même Saül n'ose pas affronter alors qu'il est déjà plus grand que... C'est Dieu, eh bien, qui nous amène à être, parce que c'est lui qui nous forme. Il y a des choses que nous pourrons traverser sans avoir à être effrayés. Il y a le séjour des morts, c'est cela. Celui qui croit en Christ, il n'est pas là en train d'essayer de traverser la mort en disant « J'espère que je vais aller au ciel. » On sait qu'on va au ciel parce qu'on a, pas parce qu'on a essayé d'acheter, pas parce que je le mérite, pas parce que je le veux, parce que c'est la volonté de Dieu quand par Jésus-Christ, eh bien, nous puissions monter au ciel. Si ce n'était pas sa volonté, jamais nous n'aurions pu y aller. Nous sommes privés de la gloire de On ne peut pas le prendre. On ne peut pas le forcer, mais on ne peut pas se dire, en étant magnifique, on va l'avoir. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Pour la bonne et simple raison, c'est afin que personne ne se glorifie. Et c'est normal. Parce que si c'était par la gloire de chacun, il y aurait des avantagés et des avantagés. Ceux qui sont magnifiques, eh bien, parce qu'ils sont nés dans un royaume magnifique, eh bien, ont plus de chances que ceux qui sont peu de choses. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ceux qui pensaient être élevés, Dieu va remettre les choses d'équerre.
Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, dit le verset 16. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Il dit, mais c'est ça le gars qui était fort avant? C'est ça le gars qui se pensait au-dessus des autres? C'est ça le gars qui n'avait besoin de personne, qui était vraiment celui qui était magnifique, hein, comme on dit? Et c'est ça la réalité. Les gens regardent. Mais plus on s'élève, plus dur sera la chute et le regard des autres sur nous. C'est pour ça que pour le Seigneur, les gens n'entendaient rien du Seigneur. Ils le voyaient comme petit. Hein. Quand sa magnificence s'est réellement montrée, quand il a été ressuscité, mais un jour aussi, quand tous le verront dans sa gloire, celui qu'ils voyaient comme petit, ils vont voir que c'était le plus grand parmi nous. Le monde, la génération qui a reçu Christ ne l'a pas connu. Et quand ils se retrouveront devant lui, ils verront eh bien, celui qu'ils ont rejeté. Et c'est ça la réalité. Dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, nous courons vers les grands. Nous courons eh bien, vers ceux qui ébranlent des royaumes, ceux qui réduisent le monde, ceux qui ravagent des villes, ceux qui sont eh bien, terribles, connus, respectés. Et nous rejetons souvent ceux qui sont petits. Tant Dieu a fait le choix de choisir un tout petit peuple qui n'avait aucune puissance. Aucune puissance militaire. Mais elle a voulu quoi? Eh bien, être comme les autres nations. Elle voulait être une puissance. Déjà en ayant un roi. Et puis, en essayant eh bien, de faire les choses par leurs armes, par leurs forces, en montrant eh bien, qu'eux aussi, ils étaient capables de faire comme la Syrie, de se défendre, d'attaquer. Très bien, tu veux vivre cette vie? Tu en vivras la conséquence. Et c'est pareil pour nous. Parfois, dans l'Église, nous voulons montrer que nous sommes plus capables. Mais bon, moi, maintenant, c'est différent. Je suis quelqu'un qui n'est pas comme les autres, pas comme les petits, pas comme les nouveaux. Et puis, je n'ai pas besoin de me nourrir, je n'ai pas besoin d'avancer, je peux le faire tout seul. Et la parole de Dieu, elle nous donne toujours le moyen et la manière de faire les choses. Dieu, il a décidé, comme là, il a envoyé Ésaïe pour les appeler. S'il rejette la parole d'Ésaïe, il rejette la parole de... Ça va ensemble. Ça ne change pas. Et à chaque fois, c'est ça. Si vous n'écoutez pas Moïse, c'est comme si... N'écoute pas. Et c'est la même chose. Si vous n'écoutez pas Josué, c'est la même chose que... Parce qu'à un moment donné, Dieu, il a envoyé des personnes pour nous rattraper, parce qu'il les a choisis pour cela, pour que nous puissions eh bien, être toujours à l'écoute de Dieu, tout en étant quoi? En étant humble. Parce que dans la réalité, ça nous oblige à chaque fois à ne pas nous croire au-dessus des autres. Qu'on doit toujours apprendre à quoi? À être à l'écoute et à être dans l'unité. Mais c'est pour ça que quand il amène des personnes, il amène souvent des personnes qui ne sont pas capables. Quand il a fait le choix de Moïse, il a fait le choix de quelqu'un qui se sentait comment? Ben, je suis l'homme de la situation. Jamais Moïse n'a dit ça. Hein. Il prend un autre. Hein. Il prend Ésaïe. Ésaïe est quoi? Mais je suis un... Il a dit quoi? Un saint, c'est ça? Je suis un quoi? Un pécheur. Comme les autres. Pourquoi moi en particulier? Et quand il va prendre Jérémie, je suis un quoi? Un enfant. Je parle pas bien. Et Dieu fait le choix de prendre ceux qui sont petits pour dire quoi? Très bien. Puisque tu sais que tu es un pécheur, puisque tu sais que tu n'es pas capable, puisque tu sais que tu es petit, avec toi donc je vais pouvoir quoi? Travailler. Mais dès qu'on pense être grand, impossible de travailler avec quelqu'un qui est déjà en train de penser qu'il est au-dessus des autres. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, celui-là qui monte, là, il va tomber à un moment donné. Mais tous les rois, les nations, oui, tous, ils reposeront avec eux, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu n'as même pas quoi? Le sépulcre. Les autres, même qui sont dans le séjour des morts, ils ont eu au moins un honneur par rapport à des choses qu'ils ont fait dans leur vie. Et puis, ce sont des hommes, ils ont moins réussi à faire ça. Mais toi, il restera vraiment quoi? Plus rien. Un cadavre foulé aux pieds. À un moment donné, tu n'es pas revenu à eux dans la sépulture. Tu as été détruit. Est-ce que tu as fait quelque chose de plus encore qu'eux? Il est monté
Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi lorsque eh bien, il est monté avec cet orgueil? Il est dit, verset 20, tu as aussi détruit quoi? Ton pays. Ton pays. Et tu as fait périr. Donc en montant, en te disant le plus fort, tu as entraîné les autres à quoi? À te suivre. À penser qu'eux aussi n'ont pas besoin. Qu'ils peuvent se débrouiller. C'est toi qui les as appelés à ça. C'est pour ça que ta condamnation, elle est pire. Toi qui te pensais non seulement au-dessus, mais en plus, tu as amené les autres à quoi? À t'écarter de la voie que Dieu a donnée. Mais c'est pour ça que quand Satan est descendu, il a ramené aussi plusieurs anges avec lui. Hein. Et c'est pareil, hein, dans Babylone, ça va être pareil. Et Sodome et Gomorre, c'est pareil. Ils se ramènent tous à faire quelque chose de mal. Mais on voit que c'est la manière de faire de Satan. Lui, il est descendu, il a amené des anges. Mais quand il a vu les hommes aussi, il a dit, allez, ceux-là aussi, je les embarque. C'est pour ça que Satan, il ne peut pas s'en empêcher d'embarquer les gens avec eux. Ce n'est pas juste une pensée solitaire. Hein. Il veut que les gens se rallient à quoi? À sa manière de vivre. Plutôt que de s'allier à ce que Dieu dit. Je dis, quand les gens ne sont pas contents, si tu n'es pas content, tu changes, tu fais autre chose. Mais les gens ont toujours tendance à quoi? Ouais, mais tu sais, et de vouloir quoi? Avoir d'autres personnes qui viennent avec eux, se rebeller, ne pas écouter, ne pas. Et c'est ça la manière de faire, et bien, de Satan, mais aussi de Babylone. C'est qu'à un moment donné, ils détruisent quoi? Leur propre pays. Il fait périr le peuple, parce que tout ce qui l'intéressait, c'était qui? Lui, ses pensées, son avis, et que tout soit comme le ciel dont il rêve, avec un trône où les gens lui tournent autour. Mais il dit au verset 21, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Toi et ton peuple, vous allez disparaître, oui. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde de quoi? Oui. C'est ça. Il est l'adversaire. Sa vie, c'est de remplir les gens de quoi? L'adversaire. Des gens qui s'opposent, non seulement à Dieu, mais c'est qui s'opposent les uns aux autres, qui se font la guerre, qui se détruisent. Et ce n'est que ça, la terre. La terre, c'est que des ennemis, ils sont des ennemis et des ennemis. Et c'est ça le monde quand on suit le diable. Même dans les églises, ça peut être ça. L'église, parfois ce sont aussi des ennemis. Parfois des frères deviennent aussi des quoi? Des ennemis. Ils passent leur temps à quoi? À se lever, eh bien, les uns contre les autres pour se disputer des bouts de terre, pour se disputer et se détruire les uns les autres. Et celui qui obtiendra la terre, c'est juste celui qui est sur le trône. Hein. Vous n'avez jamais vu, et c'est très rare qu'un roi parte au combat. Hein. Il fait partir au combat ses soldats. Hein. Et quand tous les soldats sont morts, celui qui a acquis les soldats, c'est celui-là qui a gagné. Hein. Mais il dit, le Seigneur, c'est lui qui va se lever contre eux. Et il va se lever en tant que quoi? Dans vos versions? C'est le verset 22. Contre eux. Il va se lever en tant que quoi? Le maître de l'univers. Le maître de l'univers, ou le terme que j'ai, c'est l'éternel des armées. Et vous allez avoir un ennemi qui sera beaucoup plus fort que vous. À un moment donné, celui qui est plus fort que celui qui pense être magnifique, c'est l'éternel. Et quand ils entreront dans l'éternel, ça va être ça, c'est j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants, sa postérité, dit l'éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage. Et je le barrerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel, les armées. Et c'est ça, en fait, notre vie. Parfois, nous voulons être des ennemis, mais nous avons trouvé le mauvais adversaire. Celui où vous êtes sûr de quoi? De perdre. Pourtant, c'est lui qui voulait être votre roi. Et donc, vous faire quoi? Je parle de l'Éternel. L'Éternel, lui, il voulait être votre roi. Et être roi, c'est lui qui voulait quoi? Faire gagner. Il voulait vous faire accéder au ciel. Il voulait vous élever. Mais comme vous n'avez pas voulu le faire par lui, vous l'avez fait par vous-même. Et vous avez fini par être des quoi? Eh bien, vous êtes devenu son adversaire. Et c'est ça la vraie vie avec
Dieu, c'est que en réalité nous bénéficions de la force, de la puissance, de la confiance, et eh bien dans ce Dieu qui est toujours victorieux. Mais quand nous faisons le choix de ne pas le suivre, nous faisons le choix déjà d'avoir déjà de la défaite. On finit comme tout le monde, sans force. On finit comme tout le monde, et eh bien écarté et affaibli. Voilà pourquoi il prévient Babylone. Et quand il prévient Babylone, c'est une grâce en fait. Ça veut dire que ceux qui sont à Babylone peuvent faire un choix encore. S'il ne disait rien, il aurait pu faire déjà sans dire. Mais il le dit pour que chacun sache qu'il a prévu. C'est comme dans la vie, dans l'Église. Il prévient. Il prévient ceux qui suivent. Il prévient ceux qui ne suivent pas. Il prévient ceux qui font le choix, eh bien, de l'abandonner plutôt que d'abandonner le monde. Il prévient toujours de ce qu'on peut capable, est capable de perdre notre âme, parce que simplement nous avons pensé que nous gagnerons le monde. Mais dans la réalité, vous pensez gagner le monde, mais vous allez perdre. Alors que votre âme, moi je voulais la. C'est le message de vous sauver. Voilà pourquoi, eh bien, ne soyons pas fous. Ne soyons pas comme Babylone dans la destinée simplement d'être détruit. Soyons de ceux qui ont fait un choix. Le choix de dire, mais je veux être victorieux et ma victoire, elle est dans l'Éternel. Que ce soit lui qui dirige afin de m'élever et moi, je vais m'abaisser simplement, eh bien, à être derrière lui, à l'écoute, à suivre et à aller là où lui le veut, par les moyens que lui le veut, sa gloire et pour, eh bien, mon salut aussi, tout simplement. Que Dieu se glorifie sa parole en nous. Amen.